Chab, venez, on y va, viens, on va foutre le cœur. Ce mec là est très lourd, t'entends, espèce de petite pute nègre. On a récupéré de la famille là, ah, les gars, sûr. On est en mode, t'as vu, shopping, on met le frère frais quoi. Si, une relance quoi. On appelle ça une relance. Ce gars là, il en vaut 10. C'est un gars qui en vaut 10. Je crois qu'on va la couvrir en fait. Il y a les dernières Air Max, moi je suis. On va mettre sur le thème Max. Je pense qu'il est déconnecté. Je suis timide. Ah, lui, il cherche une dame Stan Smith, wesh. T'es mal, les TN toutes noires là-haut. Ça, c'est ton style déjà. Ah, voilà. Ah, ok, c'est pas mal. Ok. Ça, tu vois, ça c'est pas mal ça. Demain, Air Max. Eh les gars, conseillez-le, wesh. Ça fait un moment que je n'ai pas vu. Regarde, toi, mais conseillez-le, toi, tu serais pris quoi comme basket? Conseillez-le. Voilà. Je suis rajouté pour une paire de TN, je sais pas moi. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Vas-y. TN, c'est. Attends, laisse les petits, ils vont te conseiller. Ouais, les gars, conseillez. Regarde celle-là, Air Max, toute noire là-haut. Regarde déjà comment les khatat. Non, je vois qu'il prend une paire de games. Et sinon, prends les noirs et rouges. Voilà. Écoute, toi, tu lui conseilles une paire. Quel noir et rouge lui conseille une paire. Normal, mal. T'as pris un chaussette ou pas? Là, on va acheter les jeans. C'est qui là? Si, c'est le José. Eh, hey, tu sais pas c'est qui Kraouch? C'est le Fissa José, c'est le neveu à Pecho. Mais non! En plus, il ressemble quand tu regardes bien, voilà! Pecho, tiens! MSN, Facebook, Bluetooth. On en va les jeunes, faut que j'aille faire mes devoirs. C'est lequel que vous préférez dans l'album, madame? Il a pris du ferme. Tout ça, chez CEA. On est des CEO. C'est mes voisins, j'en sens. Et on a un vidéo. Attends, quoi? Attends, quoi? Ah ouais? Là, il est dossier. Ils sont à combien les jeans que t'as pris? T'as pas plus cher que ça? Faut lui donner ce qu'il y a de mieux. J'ai du deux, ce François. Eh, vraiment dans Secret Story, ça, merde. Wesh, Romain. Ouais, ça va. Ouais, c'est pas une c'est ça. Lui, wesh. L'avenir, mais je vote avec lui, wesh. Wesh, coco, tu. Et là, il rise. Non, elle rise, gars. C'est coco, de dingue. Avec Rise, super rise. Putain, j'allais dire c'est. Mets-le sur le blanc, la périph, mais là, où. Vision de nous, dérisoire. Bon, faut que je t'apprenne le remix. Bord oriental. Ah, c'est ça, c'était le matin. Avec soif de buccal. C'est un baiser. Attiré par les annales, les mâles, l'argent sale. Que des choses qui ont l'air bien sales. Oh, bord oriental. Merci. Vas-y, bonne soirée. À la prochaine, mon ami. Salut, à plus tard, chef. Bon, là, on a les baskets. On a les jeans, il faut quoi encore? Petit frère, oh, Inch'Allah. Allez, n'oublie pas ta mission. Oui, t'inquiète, dès que tu rentres.
mon cœur, mais on rapondit souvent. Garder, c'est bien. Si tu savais à quel point je t'aimais, je t'aurais donné. Je t'aurais gardé dans mes bras jamais. Ça, c'était la phrase de tout à l'heure qui était bien aussi. C'est ouf. Non, là, tu manges. Je suis nien. Je suis nien. T'es nien? Non, là, tu suis nien. Là. Je nien? Non, parce que c'est exactement ça. Le là, nien, nien. Tu m'as fait frissonner. Frissonner? Ah, tu m'as fait frissonner, c'est du bien. Verbe frissonner. Ouais, c'est bien alors. Voilà, on va l'écrire juste comme ça. Avant que tu l'oublies. Un deck ou sèche? Je t'ai dit, tu m'as surpris. Je t'ai mis le doute là. Non, en fait, comme j'étais dans un autre délire, j'ai dit. Moi j'étais en train de penser, mais j'espère qu'elle a pas oublié ce truc. Mais non. Pour elle c'est tam tam rapapam. Pour elle c'est tam tam rapapam. T'inquiète. Rapapam. Rapapam. Putain, Zao, tu manges jaille. Tu manges jaille. Non, Zao, tu manges jaille. Non, mais il est si grave. Tu veux bien faire, faut que tu dises Zao, tu manges jaille, mon mari. Ouh là là. Zao, tu manges jaille. Et là, j'arrive à la fin, elle fait une barbichette non, pour le faire. Bien. Zao, tu manges jaille, mon mari. Il est caravé. Ah là là. Voilà. Il faut que toi tu sois content, tu vois. Moi je suis super satisfait à 100%. Si, si. 100%. Hey, je voulais raconter une anecdote quand même. Mmh. Comme je sais que c'est tes caméras, peut-être tu vas les sortir ou pas, mais moi je balance. Il y a 5 ans, on a vu un film d'horreur avec Laouni. Tu te rappelles? Et comme il est habitué au film Walt Disney, tout ça. Tu sais ce que je veux dire? Eh ben, c'était Gotika. Et la vie de tous ceux que j'aime, il était comme ça. Non, non, il va venir, le bâtard. Non, ça me balance, toi. Non, il va venir, attends. Hé, hey, Romaric, c'était moi, Romaric. Ben, j'ai eu peur, je croyais que c'était Romaric qui arrivait, wesh. Regarde là-bas, je croyais que c'était lui qui allait venir dans le film, j'ai eu peur, ma gueule. C'était toi et ton ref, il était tout oh, petit peu, ça grandit vite. T'as vu, c'est dingue. C'est, hein. C'est là que tu vois qu'on est des vieux de la vieille quand même. C'est dingue. Oh, là, là. C'est du lourd, en tout cas, je suis trop content que tu sois venu. Bah, on a pu partager ce moment. Moi, la fouine, c'est la famille. Voilà, de toute façon, c'est pour des moments comme ça. Tu m'as dit un truc. Pour après des moments comme ça, n'est-ce pas? Tu m'as dit il y a pas longtemps, tu m'as dit moi j'ai pas attendu que tu sois connu pour faire un feat, c'est vrai. C'est mon premier feat. Laouni, c'est je t'ai même pas signé. Tu vois, il est venu me chercher pour son premier album, un feat. On avait kiffé, c'est super bien passé, puis on récidive.
Mais maintenant, le kiff total, ça va être quand on va se retrouver sur scène. Grave. On va faire ces morceaux-là. Grave, grave. Là, grave, ça va être grave, vraiment grave. Le comble du truc. Ah ouais, ah ouais. Non, ça va être le truc chaud, chaud. De toute façon, en plus, on vient de l'écrire, le morceau là en studio. On était là, on parlait déjà de scène. Ah ouais, ce serait bien qu'on fasse rentrer ça. Et mais ça sera et les tambours ça. Qui vont être bien. C'est pom, 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 pom. Clair. Un tambour chacun, on envoie ah, ça. Mais t'inquiète, t'inquiète. Non, ça va être mortel. On est là, on est là. Ça va être mortel. À la fin de mon show, je fais style le mec, moi je suis un extraterrestre. Je veux juste dans un temps venir. Après quoi, comme ça. Et lui me branche l'autotune. Je dis voilà, ça c'est ma vraie voix, on n'est plus sur Terre, nous sommes ici. Je fais mon blabla. J'ai écrit un truc sur un mec qui a la même voix que moi. Un coup, attends. Les gens ils crient, ils entendent du ferme. Tout. Et moi j'ai un couplet. J'ai une grosse flaque de pisse sur le jean. On va le faire là maintenant, vite fait. Après, il a pris des gifles, gifles, gifles. Il fallait qu'il la ferme, ferme, ferme. Il a dit des gifles. Et toi tu rentres là, tu rates ton couplet. Ou le deuxième, le couplet que tu que ça t'intéresse. Le deuxième, et là les gens ils vont péter les couplets. Et après on fait le refrain tranquillou. Et on s'arrête. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très bien. Hein? Que les gens ils attendent pas que tu arrives et tout. Et... C'est bien ça. Dixon. Dixon, t'es mort, man. T'as été filmé, Dixon. Eh, hey, écoute, Dixon. Mali. Ce qui paraît, tu nous as dit le Sénégal, c'est lourd. On parle de 13. C'est quand le 13 13 décembre. 13 décembre. Il nous a dit le Mali. Ah, t'as vu lapsus. Il m'a dit le Sénégal, c'est lourd. Non, mais il a raison, c'est lourd. Non, mais il a dit que le Sénégal, c'est mieux que le Mali. Il m'a dit que c'est mieux. Je sais pas si c'est mieux. Moi, il m'a dit le Mali, c'est comme ça. Par rapport au Sénégal. Ah, ouais, ouais. Bah, tu, ah, nous en dis ça. Il m'a dit ça baisse tout ce que tu peux. Sénégal et tout, j'ai senti son côté sénégalais aussi. Ah c'est pas vrai, c'est... Dixon, si le concert il est moisi, on se retournera tous comme ça. On te regardera tous. C'est non le Sénégal. Mais le Mali. C'est 31, tu as entendu? C'est comme Paris et Marseille, t'as vu? Marseille c'est bien. Non, je peux rien dire. Voilà, je peux rien dire, j'ai les nerfs. Je peux rien dire. Parce que j'étais avec mon mec, parce que je le connais depuis longtemps et j'étais avec lui. Et lui, ton mec là maintenant? Bah alors d'aujourd'hui on n'est plus ensemble, on s'est mis d'accord que c'était pour l'été et que c'était terminé après. C'est l'idée. Ah toi tu fais des contrats comme ça avec les man? Ouais je fais des contrats. Les chez Man Power. Hein? Hey, ça va être comment lui? Eurize. 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 Elle dit mais Eurize. Elle. Il y a une mission de quelques heures, j'ai rien à dire. T'as dit quoi? Il y a une mission de quelques heures, tu vois. Appelle Man Power. J'aimerais bien les rencontrer, mais cette fois on n'est pas encore là. J'ai écrit un petit truc, est-ce que moi-même poster, tu peux m'amener ça? C'est un truc sur terre, on appelle. C'est quoi ça? Ah, c'est un iPhone. Je crois que c'est un papier chez vous, non? Ah, il y a des gens qui sont, ah, je ne connais pas, vous comprenez, je ne suis pas d'ici. Vous pouvez m'excuser ou pas? Pourquoi tu veux pas m'excuser? Attends, moi je suis venu pour vous chanter un truc. Est-ce que vous voulez que je vous chante ce qu'il y a dessus? Pour ce truc là, j'ai besoin de plus, je suis mort de rire. Je suis désolé parce que c'est une bonne ambiance. Donc on est obligé de foutre mes paroles, c'est ça. Ok, pour chanter ce qui arrive là, j'ai besoin d'une chanson qu'un mec a fait avec la même voix que moi. Alors, si un style, amène-moi sur le circuit.
êtes toujours là ou pas? Je vous ai dit qu'il y aura plein de petites surprises ici ce soir. On va essayer de passer un bon moment. Vous savez, ça fait